Mais cerisier, c'est Rosalys. Salut! Bienvenue dans ce nouveau let's play Animal Crossing New Horizons. Parmi les fleurs avec Chino, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons donc célébré la fête dans Animal Crossing Happy Home Paradise avec DJ Kiki. Et on a fait l'after party, on a vu que ça avait une incidence, un impact sur le jeu Animal Crossing New Horizons tout court. Maintenant, on va reprendre la vie quotidienne sur l'île et déjà constater la rénovation qu'on a fait hier. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce mercredi 6 avril 2022, il est actuellement 9h18 sur notre belle Rosajima. Sachez que Ticket, la sœur d'Otfé, la plus tendance, est sur Rosajima aujourd'hui. À ce qu'on dit, elle cherche des volontaires pour un projet. Si ça vous tente, passez la voir sur place. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur l'île soit enchanteur. Et notamment, ça fait un moment que j'ai pas utilisé mes cartes Amiibo. Alors aujourd'hui, on va essayer de tout faire. Alors d'abord, la rénovation. Qui était la rénovation chez Mounia? On a vu qu'il n'y avait pas d'échafaudage. Oh bon, l'extérieur de la maison a bien changé. Je m'en souviens bien puisque j'avais mis cette couronne faite des œufs. Mais chez Mounia, j'ai l'impression que... On peut pas... Je suis sortie Mounia. Non, on peut pas les revoir. Bon, en tout cas, ça a bien eu lieu, ça c'est sûr. On va commencer la journée comme il se doit. Par ouvrir le courrier. Banque Nook, c'est un nouveau mois qui commence. La Banque Nook est heureuse de veiller sur ton épargne. 4800 clochettes. Grignote. Cher Super Osaïs, j'ai un nouveau sac à Anka, alors je t'offre l'ancien. Lui et moi, on en a vu des casse-croûtes et des pique-niques, alors prends-en soin. Oh, il fait pas attention si ça colle un peu au fond. Adieu les petits creux. Grignote. Et donc un sac. Laetitia, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Un coussin péteur. Ah ouais, mais c'est pour le 1er avril. Un coussin péteur. Merci, AJD. Le jaune à l'ouest, comme le préconisent les livres de Feng Shui, n'est-ce pas, Osaïs? Le poster d'Aimé ne pourrait pas être mieux placé. Mathéo. Encore nous, baby. Le mieux pour apprendre à se connaître, c'est de s'écrire. Par exemple, je vais tout de suite te confier quelques secrets croustillants sur moi. Oups, j'ai plus de place. Désolé, Mathéo. Un courrier de maman. Ma chère Rosalys, les pétales de cerisier dansent dans le vent comme d'étranges acrobates aériens. Ils savent que tout est dans la chute et déploient des trésors de grâce pour revenir à la terre. C'est tragique en fait. Achoum! Maman, qu'est-ce que ça peut être? Alors attends. Avant de poursuivre, on va ouvrir un peu. Ouvrir. Sac à dos en toile. Genre là, j'ai un sac à dos... ours. Oh, ok. Ouvrir. Coussin péteur. Alors, il y a un endroit où j'avais mis des coussins péteurs depuis l'an dernier. Voilà. Vert, rouge et jaune. Alors, cette année, placé. Vert. Tiens, on va le mettre dans l'autre sens. Oh, cachou. Coussin péteur. Jaune. Cachou, ça va? Attends, est-ce que j'ai un cadeau? Oui. Rosalys, on ne se voit plus, ma chérie. Je ne sais même pas à quand remonte notre dernière discussion. C'est un peu ma faute aussi, tu avais l'air si occupée que je ne voulais pas te déranger. Mais c'est vrai, je passais mon temps à aller au travail. Trouve pas que la musique est forte ici, on s'écarte un peu. Voilà, on peut parler. Tu as besoin de mon aide peut-être? Voilà pour toi. Oh, tu n'aurais pas eu. Quel bel emballage, je me sens presque triste de devoir le déchirer. Voyez-vous ça? Un nœud sténoptéron. Il aurait sans doute plus sa place chez un collectionneur, mais je tâcherai d'en prendre grand soin. Comment te remercier? Je sais, en retour, je vais t'offrir un tablier Hawaï.
Oh, cool! Oh! Portée. Oh! Et il faudrait que j'assortisse la tenue. Je suppose que maintenant mes habitants ont accès au catalogue les villas de loup. Attends, il y a le cadeau de maman. Boîte mouchoir de maman. Ah, il est beau! En patchwork. Je vais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Un autre coussin péteur. Une pelleteuse. Après le coussin péteur, une pelleteuse. Nook Inc. Chère Rosalys, la rénovation de la maison de Mounia est terminée. Oui, je voulais aller la voir, mais c'était fermé. En guise de remerciement, nous avons ajouté 1000 miles à ton compte. Profites-en bien. Oh! C'est vrai ça? Il n'y a même pas de petits points rouges. On s'en rend pas compte. Bah, on s'en rend pas compte. On va supposer que j'étais à 1000 miles de moins. Ok. Pour assortir la tenue, attends, je voudrais voir si dans la boutique de vêtements, il y a des nouvelles choses. Puisque maintenant, dans Happy Home Paradise, j'ai la boutique. À moins qu'il faille forcément aller dans la boutique de Happy Home Paradise. Mais c'est quoi ce casque? Bon, attends, on va aller voir. Tu as quelque chose à essayer, mais je t'en prie. Un parka nébuleuse, veste chinoise, veste de chef d'orchestre, veste d'écolier. Pantalon, patte d'eph à rayures. Remarque, c'est marrant. Robe jolie rêve. Tenue prince du désert. Casquette de contrôleur. Tu sais, j'avais pas souvenir qu'il y avait ça. Bonnet tricoté. Alors, casque de course. Loup élégant. Masque d'anonymat. Parce que c'est noir, c'est pour l'anonymat. Bon, j'achète rien. Je vais assortir ma tenue chez moi. Merci de ta visite, à bientôt. On va aussi passer dans la boutique de Méli Mélo. Tant qu'à faire. La question est, y a-t-il de nouvelles choses? Théo. Bonjour, cela, bienvenue à la boutique Nook, c'est toujours un plaisir. Oh, c'est quoi des guirlandes comme on faisait quand on était petit avec du papier? Je vois que tu t'intéresses à notre guirlande papier de plafond. 400 cochettes, j'achète! C'est mignon! À l'école primaire, je faisais ça. Tiens donc, regarde ce que la boutique a en rayon maintenant. Un panneau mural porte-outils. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, on va accrocher notre guirlande. Et peut-être aussi mettre la boîte de bouchoir de maman. Loulouloulou. On a toujours besoin de mouchoirs. Bonjour à vous qui êtes présents dans le live chat en ce let's play matinal. Pepsinette, Mademoiselle Audrey, Citrouille, Gladys, Séverine. Alors où est-ce que je vais mettre ma boîte de mouchoirs? Je pense que je vais le mettre là, à la place du magazine. Non, c'est dans poche. Boîte de mouchoirs. Je le mettrais bien de ce côté-là. Oh! Il y a un M comme maman.
On voyait surtout le cœur, enfin j'avais vu le cœur. Bon, je vais le mettre comme ça, dans ce sens-là. Et la guirlande... poche. Ah, c'est marrant, c'est au plafond. Je vais le mettre au coin gaming, là. C'est rigolo. Oh oh, quelqu'un vient. Jeannot. Devine qui vient te rendre une visite surprise, c'est Jeannot. Là, j'ai pas le choix. Vu que j'étais dans ma pièce principale. Yo, je rentre, Discordéon. Bon, vas-y, fais-toi plaisir. Puisque tu es là. On se voit pas. Je viens de terminer une séance d'entraînement intense. J'ai eu envie de passer te voir, Discordéon. Tu veux manger quelque chose, là? J'y pense, j'ai apporté une friandise, une orange. L'encas idéal après un footing. Ça, j'ai l'impression que c'est invariable. C'est toujours une orange qu'ils amènent. Ah bah, si tu veux rester là, je vais me changer. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire en sorte qu'un habitant me suive. Hein, dans une autre salle. Que comptes-tu faire? Changer de tenue? Bah en fait, on va garder le tablier Hawaï et on va sortir la tenue. Attends, vous me rappelez, hein, derrière, il n'y a rien. Donc, il faut rajouter un pantalon ou quelque chose. Oh, bah tiens, comme ça, c'est tout jaune. Un haut de chausses. Chaussures. Des bottes. Il vaudrait mieux des toutes petites chaussures. Paire de babies, par exemple. Ou basket en toile. Non, ça. Claquette. À nœud. On va se mettre un truc sur la tête. Auréole. Ah, je sais. Je voulais mettre une fleur d'hibiscus. Oh, maintenant, frangipanier. Carrément. Tadam ! La tenue du jour. Toujours dans l'ambiance, c'est après la fête de DJ Keke. Mademoiselle Audrey, tu pourrais faire voir tes plans de cuisine. Oh, Jeannot, je me sens si bien chez toi, j'ai peur que mes muscles ramollissent, faut que j'aille les faire bosser un peu. Merci d'être passé. C'était super sympa, mais faut que je me barre de traction. Bye bye. Alors. Mes recettes de cuisine. Alors, mes recettes sucrées. Voilà. Plat de biscuits coco, plat de cupcake légumes, plat de scone citrouille, crêpe aux fruits, tarte feuilletée aux pommes, jus de carotte. Les recettes salées. Farine. Soupe aux algues. Sandwich aux fruits. Plat de champignons à l'ail, plat de spaghetti napoli, pizza aux fruits, cardo poêlé et potée de palourde. Voilà mes recettes. Pepsinette, moi, il m'apporte toujours une cerise. Ah bon? Tiens, comment ça se fait? En plus, moi, mon fruit de base, c'est la pêche. C'est pas l'orange. Donc c'est curieux. Oh! Tiens, ça fait un petit moment qu'on n'a pas papoté, toi et moi. Enfin, je crois. Je fais vraiment de drôles de rêves ces temps-ci. C'est peut-être un truc que j'ai mangé. C'est vrai que je ne me nourris que de gratin de pâtes depuis une semaine. Il y a peut-être un rapport. Enfin bref, je rêve qu'on discute toutes les nuits, toi et moi. Sauf que tu as deux têtes d'habitude. Comme toi, tu n'en as qu'une. J'en conclue que je ne rêve pas. Contente de te voir en vrai, puis... Ça te ferait plaisir? Oh, tu m'offres un cadeau? Tu veux une orange? Non, je t'offre un vrai cadeau.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux l'ouvrir? Oui. Un acanthostega, comme c'est gentil. Ouah, merci tout plein, Rosalys. J'ai un truc pour toi, moi aussi. Un mur motif cœur turquoise, ça te fait plaisir, puis? Oui. Ok. Rendons-nous là où il y a des choses à faire. Gyroïde. Tu as déterré un résonoïde. Séverine, Rosalys, tu fais quand un live Kirby? Peut-être ce soir. Le live Kirby, je le fais le soir quand Morgan est assez en forme et n'est pas en train de travailler. Et il se trouve qu'hier soir, jusqu'à minuit, il était encore au boulot, donc c'était plus trop possible de faire let's play. Mais on va avancer, ne vous inquiétez pas. Tu as déterré un fossile. Du coup ici, je vais pas le détruire, je vais le garder. On va juste prendre les clochettes. Il y a donc un cerisier chez moi. Alors attends, faut que je fasse tout le tour. Et comme il y a un cerisier, il y a une pétale. Enfin un pétale. Wow. Vu qu'il est là tout seul, on va l'attraper. Jusque. Ah c'est bon, je l'ai eu. J'ai cru que j'allais taper dans un rocher. Ce pétale de cerisier est si délicat, fais-y bien attention. Ça peut toujours être utile. Mademoiselle Audrey, merci, je regardais les plans que j'ai en double pour voir si tu les as ou pas. C'est trop gentil. Tu as déterré un fossile. En vrai, il doit me manquer beaucoup de recettes de cuisine encore parce que il y en a plein qui m'ont été données là ici par Valentin, des plats. Et on voit qu'il y a encore des trous là et là. Donc, il doit bien y avoir des recettes qui me manquent. Genre là, je suis sûre, il doit y avoir une quatrième recette de pancake. Obligé. Alors, citrouille, message fidélité, membre depuis 15 mois, bonne partie d'Animal Crossing, merci. Alors, nous voilà avec les gyroïdes. Et on avait un résonoïde. Oh bah je l'ai déjà. Je l'ai déjà de mémoire. Et pas de cette couleur. Ouais, je l'ai personnalisé en blanc là-haut. Ok, on va aller chercher un autre fragment. Puisque j'ai 1000 miles en rénovation, je peux bien utiliser 1000 miles pour voyager. Il va remettre les voiles. Quoi? Quelle impatience! Pourtant, il n'y a rien de mieux qu'un brin de musique pour tuer le temps. Une île aux tulipes. Oh! Eh, mais... Trop bien! Si je veux faire un peu ma déco chez moi avec des cerisiers en fleurs, je n'ai qu'à les prendre ici. On va manger un peu. Genre, on va les mettre autour du musée. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu.
Ok. Elle est jolie cette île. Une bouteille à la mer. À qui trouvera ce message? Bon bricolage, Célia. Branche coupée. Je connais déjà. Alors. Ah, trouvé. Un fragment de géroïde. Il y a plein de tout petits poissons ici. On peut en pêcher un juste pour rigoler. Tu as pris un goupille, il plaira à mon papy. On va passer par la droite cette fois-ci. Je vais entrer. T'as toutes les affaires? Oui. Quoi? On peut savoir ce qui t'arrive? Ça rime à quoi d'appuyer frénétiquement sur les boutons quand je chante? Ok. Oh, mais j'avais oublié que j'avais déjà des cerisiers. J'avais ce coin-là. Oh, le coin automne, en fait. Tada! C'est beau! Attends, je me mets là. Bon, je vais quand même planter les cerisiers que j'avais prévus. Tiens, j'ai cogné quelque chose. Ah, c'est Jeannot! Alors, à commencer par le gyroïde, le fragment de gyroïde. Alors, le fragment, il est là, enterré. Alors, pour faire quelque chose de joli, on va aligner. Alors, attends, bordure. Je pense qu'on va planter un cerisier ici. Un feuillu. Et de un. Et l'autre, ça doit être quelque part par là. Un deuxième feuillu. Il y en avait déjà un avec le clochettier. Et voilà, on a quatre cerisiers autour du musée. Bon, en attendant les brins de muguet, bon, je vais les mettre là. Les pieds de muguet. Ok. Alors maintenant, dans ce que je voulais faire aujourd'hui, il y a utilisé une carte amiibo.
Bienvenue dans le Nook Stop. Ah, en fait, aujourd'hui, on a prévu, parce que je parle de carte Amiibo, on a prévu avec Morgane à 17h de faire une ouverture de carte Amiibo. Ah, je le dis parce que ça faisait longtemps. Et en fait, je pense qu'on va ouvrir les pochettes série 5 qu'il avait réussi à me trouver. Inviter un campeur. Avec le secret espoir de trouver enfin Gratien. Veux-tu utiliser un Amiibo? Oui. Parce que, pour rappel, je cherche à inviter quelqu'un. Prépare l'Amiibo correspondant. Il s'agit de l'Amiibo de Candy. Veux-tu l'inviter au camping? Oui. Coucou, oui, c'est bien Candy. En quoi est-ce que je peux t'aider, Berlingo? Tu viens vraiment de m'inviter à venir faire du camping à Osajima? Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Considère que je suis déjà en chemin, Berlingo. Oh, Mounia est là. Elle fait une petite session de pêche. Je suis si contente que tu m'aies invitée ici. J'ai sauté dans le premier avion, Berlingo. De temps en temps, j'aime bien m'échapper un peu pour réfléchir loin de tout, Berlingo. Oh, je ne suis pas mes congénères, j'aime trop papoter. J'aimerais bien avoir un exemple d'artisanat local à ramener chez moi en souvenir. Je te ramène ça. Tu ferais ça? C'est très gentil, mais comme je pars demain, ça risque de faire un peu court. Eh ben, justement, je vais te préparer ça. Mais qu'est-ce que tu veux, Auguste? Tu as trouvé de bons matériaux pour le siège tronc, Berlingo? Ça avance. J'ai hâte de voir le résultat. Un siège tronc. Alors, attends. Oh, un siège tronc. Table tronc. Saison tronc. Tabouret tronc. C'est ça. Il me faut du bois dur. C'est parti. Mounia et Chino, vous savez, j'ai des cadeaux pour vous. Oh non! Tu as attrapé une puce. Non, merci, tu peux la garder. Burk, des puces! En fait, je me suis plus autant grattée depuis la dernière fois où j'ai eu des puces. Et en fait, c'est méga drôle parce que j'en avais maintenant. En fait, non, c'est pas drôle, lol. Parce que j'ai jamais eu de puces, jamais de la vie, Rosaïs. Même pas aujourd'hui. Alors attends. Tulum. Je devais aller fabriquer une table tronc. Non, un siège tronc. Oh mais... J'étais venue ici parce qu'avant j'avais mis un établi. J'avais mis un établi ici. Bon, c'est pas grave, je vais le faire chez moi. Je pense que c'est celui que j'ai posé vers les gyroïdes. Oh, faut que je dorme la nuit, hein. Alors, du bois dur. Là. Veux-tu bricoler quelque chose? Au travail. Siège tronc. Bravo, tu as fabriqué un siège tronc. Hé hé.
Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que je crois? Tu as fini le siège, Tron? C'est pour toi. J'ai aussi une puce, si tu veux. Avec deux objets fabriqués à Rosajima, je peux commencer à parler de collection. Un grand merci. Je trouve que le siège Tron a vraiment un cachet particulier. Pour la peine, j'aimerais t'offrir une casquette de contrôleur. J'ai décidé de commencer une collection d'objets originaires de Rosajima. Je suis tombée sous le charme de ce style et surtout de tout ce qui touche à cet endroit berlingot. Je crois même que si quelqu'un m'invite à venir vivre ici, pour de bon, j'accepterai sans hésiter. C'est un appel du coude si jamais j'avais besoin de le préciser. On n'a pas encore fait la photo de miniature aujourd'hui. Et je me dis que comme on a deux pêcheuses réunies, ce serait peut-être sympa une photo là. Attends. Quoique. Je peux pas faire en mode caméra pro si. Attends, si je me mets genre là. Oh, vas-y, tu peux continuer de pêcher. Oh, mais je peux pas. Oh, remarque, c'est trop mignon, là. Hein. Je vais essayer de venir. Oh non, je suis sortie du mode. Ah. Alors, mode photo pro. Voilà, je viens à côté. Oh, vas-y, remets-toi à sourire, c'était bien. Ouais, c'est ça. Plus. Et si je fais une des nouvelles mimiques? Alors, battement de bras ou rameur? Ah, oh, Mounia a tendance, je trouve, à un peu cligner les yeux. Voilà. Oh, bah Clara, tu sors faire ton ménage. Bah, vous savez quoi, j'ai des cadeaux à vous offrir. Vous voulez pas arrêter de pêcher? Bon, c'est pas grave. Je l'offrirai à Tiang Sheng, du coup. Il dort. Avec un donut à la main. Non, arrête, stop pas ça. Rends-moi mes muscles. Ah, hein, ah, Rosalie, salut, je réfléchissais. Oui, oui, je réfléchissais profondément. Mais il s'est rendormi direct. Hein, Rosalie, alors, comment ça s'est passé la remise des prix? T'as reçu le trophée du meilleur gâteau? Oh, je me croyais encore. Quel rêve bizarre. Ouhou, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? C'est pour moi? Ouh. Cadeau. Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Oh, une queue de tyrannosaure. Merci, tu t'es surpassé là, c'est trop classe. Il faut savoir aussi bien donner que recevoir. Accepte donc de ma part un photophore en verre. J'ai cru que ça allait être sa photo. Ça commençait par photo. Bon, avec ça, je pense que le message, c'est qu'il faut bien se réveiller. Hein. Rien de tel pour bien se réveiller qu'une petite séance. Une petite séance de sport. Avec Ticket.
l'aérobic en groupe. Faisons de l'exercice. Donc, je vais me reculer. On va le faire en mode comme ça. Alors, c'est parti. Ouais, c'est bon. C'est ça, il y a Ticket et même Mounia. Elle est trop mignonne, Mounia. Oh, j'avais oublié ce que c'était. Ah, je crois que je fais plus assez le petit sport matinal, hein. Je crois que c'était ça. Inspire. À la bourre, mon perso est à la bourre. B A. La prochaine fois, je ferai le sport debout. Et je vais reprendre mes bonnes habitudes de gymnastique Animal Crossing. Alors, une fois en mode bouton, une fois en mode assis mais avec les Joy-Con, et une fois debout avec Joy-Con. Et j'ai gagné des miles. Plus. Faire une séance d'aérobic de groupe. Ok. Bon, juste pour la forme, on va demander à Ticket qu'est-ce qu'elle aurait voulu faire. Oh, Rosalys, comment vas-tu? Je suis revenue étudier la mode locale. Que dirais-tu de m'aider? Une tenue d'extérieur. Imagine que tu partes en randonnée ou en camping. Comment tu t'habillerais? Ça peut aussi être des vêtements dans lesquels tu es à l'aise. Parfait pour un pique-nique en forêt. Je vais te donner quelque chose, comme ça tu sauras ce que j'entends par tenue d'extérieur. Le pull cycliste. A tout à fait sa place dans une tenue d'extérieur. À toi de créer un look qui te semble cohérent à partir de ça. Le pull cycliste. Et j'y pense, j'ai deux cadeaux dans la poche. Ouvrir. Coussin péteur. Et la pelleteuse. Ah, mais oui! Alors, attends. Où est-ce que je vais mettre la pelleteuse? Oh, Mounia, ça y est! Attends. Il faudrait que... Ah, si, je sais. Je tourne partout. Attends, d'abord la pelleteuse, je peux la poser ici. Waouh! Une pelleteuse rouge. Et du coup, je peux poser un débarras. Prendre un cadeau pour Mounia. Prendre quelque chose. Bon, je vais préparer les cadeaux. Papier d'emballage. Faudrait que j'en rachète.
Bah allez. C'est que cette poche commence à être trop remplie. Que veux-tu faire? Ranger quelque chose. Bon, on range ça. Mounia! Non! Elle a disparu. Ah! Oh, t'es allée regarder les cerisiers! T'as raison. Ma maison était redécorée aujourd'hui. Et je sais bien, on aurait bien voulu voir. Tu peux passer pour l'inspecter quand tu veux. Je ferai le nécessaire pour que tout soit propre. Quoi? Mais non, je peux pas si t'es dehors. Que puis-je faire pour toi, Grignotte? Voilà pour toi. Tu as quelque chose pour moi? Oui. Non, pas le débarras. Cadeau. Je peux l'ouvrir? Un corps de spinosaure. C'est très gentil de ta part. C'est un très beau spécimen. Merci beaucoup, Grignotte. J'ai quelque chose pour toi. C'est un costume de sushi à l'œuf. De sushi à l'œuf? Un costume de sushi à l'œuf? Pourquoi à l'œuf? Porter. Oh, parce que derrière, j'ai une omelette. Oh, Mounia, reste là. Je voudrais prendre une photo. Attends, je voudrais me changer d'abord. Parce que là, c'est la photo ultime. Avec le cerisier que je viens de planter. Caméra portative. Alors, attends, bouge pas. Hein. Ouais, c'est ça, bouge pas. Trop génial. Rameur. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. Vas-y, tu peux rejoindre la photo. Mounia souris. Reviens par là. Vas-y, je t'attends. Bon. Je suis sûre qu'on a... Ouais. Oui, photo. Venez tous. Vous voulez pas... Ah oui, retournez. Oh, c'est sympa. Oh, je me dis, j'ai bien fait d'avoir planté ces cerisiers ici. Attends, je voudrais m'asseoir. Il se salue. Et voilà mes cerisiers, j'espère que cet épisode vous a plu et vous permettra de passer une belle journée après avoir vu plein de mignonneries. Du coup, comme je disais, à 17h sur ma chaîne principale, ouverture de cartes à niveau Animal Crossing, en espérant enfin avoir les cartes que je n'ai pas. Et puis, si Morgan est dispo ce soir, on fera aussi un live Kirby pour avancer dans l'histoire. Voilà, bye bye.